Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Premier ministre Ariel Henry rencontré plusieurs anciens premiers ministres dans l'idée pour réfléchir sur la crise politique là dans le pays. La rencontre ça qui réalisée dans la résidence officielle premier ministre non? Et puis à travers visioconférence vendredi 6 d'août 2021, fait dans l'objectif pour accompagner le gouvernement pour capable de bien gérer le pays d'après premier ministre Ariel Henry. Chef Primatia promet pour chita parler avec petit pays pour capable joindre une solution avec plusieurs problèmes pays à faire face. Jocelyn Pierre avec Laure Darly Jean-Jacques à Dinoplis. Pays a vivre dans une circonstance exceptionnelle. Une crise politique importante, une crise économique et sociale très importante. Nous avons un gouvernement qui gain comme mission pour nous retourner sur rail démocratie. Mais nous avons un pays aussi que nous avons en pile ressources. Nous avons des gens qui ont gouverné déjà, des gens qui ont fait des expériences au plus haut niveau de l'État. Et comme mission, gouvernement, ça c'est rassembler les gens, rassembler les enfants de ce pays, nous ne voulons pas perdre l'occasion pour nous profiter de l'expérience de l'autre premier ministre pour aider nous à traverser la passe difficile. Nous instituons aujourd'hui, ça nous est un forum des anciens premiers ministres qui doit accompagner nous-mêmes dans le gouvernement ça, dans la phase jusqu'à ce que nous arrivions à un gouvernement d'élu. Je voulais remercier le premier ministre pour la disponibilité. Nous avons juste relé, nous déplacé et nous avons un pile conseil et nous disposé de travail. Travail, c'est mon travail rémunéré, mais c'est travail de citoyen, vous voulez faire, de citoyen responsable. Ancien Premier ministre Evans Paul et ancien Premier ministre Jean-Marie Chrestaldi, ils reconnaissent que le pays a fait face à un pile problème. Ils promettent tout, accompagner le gouvernement pour arriver à sortir le pays à la crise la traversée depuis quelques temps. Des anciens Premier ministres ont dit, ils ont partagé l'expérience, ils ont fait dans diriger le pays ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry, pendant qu'ils ont félicité le Premier ministre là, pour l'engagement qu'il prend pour Chita parler à Kyo. Evans Paul avec Jean-Marie Chrestal, le micro, Jocelyn Pierre avec Laure Darly Jean-Jacques. Nous sommes haïtiens dans le pays. Nous sommes des militants politiques. Nous partageons la souffrance du peuple haïtien. Tout problème que le peuple a vécu, il y a bouillé dans le ventre. Qu'est-ce que vous voulez, Matissan? Nous analysons la question. Côté moitié pays a bloqué, ça n'a pas quitté personne indifférent, en particulier le premier ministre en fonction, Dr. Ariel Henry. Nous sommes très préoccupés tout par l'ambiance de division qui est dans le pays. Le premier ministre Ariel Henry intéressé pour un accord politique. Et tout ça est capable de faire pour le parler, pour le faire concertation. J'en laisse faire aujourd'hui, l'app continue à faire. Et moi-même particulièrement, moi j'ai une habitude de travailler avec lui dans long cheminement de lutte politique. Là, je connais volonté, je connais motivation, je connais capacité, je connais compétence. Li, et je compte sur lui dans ce sens ça. Et tout le monde qui était là. Monsieur Soisse, le Premier ministre, Chrestal, par rapport à l'expérience, le Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, le Premier ministre Laurent Lamotte, Joseph Jouté, Belle-Rive, Jacques-Guy Lafontaine, Élec Jean-Charles, tout le monde comprend aujourd'hui, il y a un poté collé pour nous faire entre haïtiens. Il y a des questions pour nous répondre. La question de justice, en particulier pour le président Jovenel Moïse, mais pour tout le monde tout, qui tombe dans mauvaises conditions. Mais il faut qu'on l'État pour ça. Nous reconnaître tout bon l'État à la dérive. Pour qui ça l'État à la dérive? Parce que faiblesse parti politique me fait partie. Tout pays, l'État solide, il y a un parti politique qui a fonctionné pour prendre en charge. Il y a des problèmes structurels. Nous réfléchir. Alors, moi, je voulais
d'occasion ça pour nous dire premier ministre docteur Ariel Henry un gros merci il ouvre chemin dialogue ça pas nous même seulement commencer premier ministre mais à tout le monde dans le pays parce qu'il a fait la presse là tout qui ont parole pour nous dire qui ont rôle pour nous jouer pour nous vraiment si nous retirer Haïti dans bas fond lié aujourd'hui ce geste extraordinaire que le premier ministre Ariel Henry vient de poser. Il a compris que le carrefour est difficile. Et il y a un monde dans le pays qui te fait cheminement, qui te fait expérience, qui a accumulé un paquet de bagailles qui est capable de venir chiter avec là, discuter avec elle et permettre d'aller plus vite et plus bien. Nous avons toute garantie que nous mettons tout ça en main nous, sous table pour nous aider. Parce que nous tous conscients que le carrefour est difficile. Le niveau responsable de M. Ariel Henry en nous faisant venir ici pour constituer ultérieurement une équipe comme on l'avait déjà fait sur M. Préval, le forum de Fort Jacques. Il était question que nous mettions ensemble pour apporter nos conseils au président Préval. Ça n'a pas donné les résultats espérés. Mais si cette fois-ci ça peut aller mieux, pourquoi pas? On est disposé, on est disponible, on attend son signal. Plusieurs citoyens marchaient dans la rue Port-au-Prince, jeudi 5 août 2021, pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Citoyens ont demandé aux autorités judiciaires prendre bonne disposition pour mettre en bas code tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat ancien président. Massa qui sortit d'Elma 34, Talbout devant résidence Premier ministre Namiso. En suivant un extrait dans le micro John Herbie Kasevis. On a demandé au Premier ministre pour le dédailler le coup de Jean-Jacques pour le pays à connaître qui est qui a assassiné le président André. Si on peut exécuter, il faut qu'il y ait un intellectuel. Nous connaissons au lieu de traquer et pour qui finance le processus en André. C'est pas facile ce qu'on a demandé. Je dis à c'est pour combat. Est-ce qu'on est parti Jean-Jovenel? Est-ce qu'on va partir Jean-Jovenel? Je dis à combat, c'est pour nous mettre ensemble. Quel que soit ce que nous avons dit d'arriver comme président, pour continuer le mandat et conduire la continuité. Quel que soit ce que nous avons dit, quel que soit ce que nous avons dit, quel que soit ce président, quel que soit ce président, c'est le temps de votre sacrifice pour aussi un temps de vie. Quel que soit ce que nous avons dit, quel que soit ce que nous avons dit, quel que soit ce que nous responsable commissariat d'Elma, l'ouvrit en poste police dans Carrefour Gérald Bataille vendredi 6 août 2021. Poste police a arrivé construit à partir de l'argent qui ramassé dans mes contribuables communes, selon sa magistrat d'Elma, Wilson jeudi expliqué. En suivant extrait dans le micro Herbie Kasevis avec Michel Joseph. C'est un travail que nous préparons pour nous faire. Nous avons carré cette idée depuis en 2018 pour nous être capables de doter Carrefour ça de fertilisation que nous faisons aujourd'hui. Si 7 juillet, pendant nous faire nous craser la NEP, nous sommes obligés de recommencer encore. Nous avons propre pour faire pour nous recommencer ce travail-là. Et finalement, nous vivons une période que nous finissons. Parce que nous faisons nous doter de un système solaire que nous sommes autonomes, que nous allons gagner tout aussi de bagages, que nous allons finaliser avec eux pour capable faire pour ici vivre mieux, qui ont des toilettes, nous avons de nous avons réservoir qui vient de l'eau, pour que tout aussi de bagages nous mettons pour eux pour capable fonctionner mieux. Le travail a coûté au moins 2 millions de vous, le bâtiment a coûté au moins, avec tout à tête, tout le travail là, au moins 7 millions de vous. Nous, elles sont bel espace, mais les lapins tombés, toujours un petit problème de Carrefour là. Et effectivement, gros problème de drainage, c'est un gros problème lié parce que, au moins minimum, nous avons demandé à l'oubli d'une balle de support, parce que nous ne savons pas comment le drainage a été fait, parce que c'est de l'eau de millage, où de l'eau aller, nous ne savons pas comment le drainage a fait, c'est un plus bien plan. Pour la ATA, comment on fait pour être capable de canaliser, parce que là, puis tomber, tout arrêter, il n'est pas capable de canaliser, et parce que c'était bouché, avec Carrefour, ça a été nous la donner un plan ouvert, parce que nous avons planté. Premier ministre Ariel Henry visité Palmo Haïtien, jeudi 5 août 2021. Dans le cadre de déplacement, ça, chef gouvernement discuté avec sénateur qui en fonction sous dossier qui vient pour avec élection, sécurité et puis l'autre point qui concernait l'actualité. Nous là pour aller dans l'élection pour nous remettre sur rail la démocratie en Haïti. Et pour nous reconstituer l'institution, il faut adresser nous d'abord à ça qui existait déjà. Nous remercions parce que
nous avons une bonne séance de travail, très constructif pour le pays, et que nous avons continué de travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Président Sénat République, la Joseph Lambert, fait qu'on est. Chita parlé au fait avec le Premier ministre Ariel Henry, permettre de brasser l'idée, son nécessité pour encourager acteur politique, chercher chez mes ententes. D'après Sénateur Lambert, c'est celle entente qui a aidé les Haïtiens à jouer une solution dans la crise pays après face là. C'était une visite de courtoisie au Sénat de la République, aux honorables sénateurs. C'était une occasion tout pour nous, pour nous échanger avec le Premier ministre Ariel sur tout ensemble de sujets d'actualité. La question de sécurité, la question d'élection, la question de gestion de la chose publique, la question de tout un ensemble de bagailles dont nous-mêmes, nous avons gagné l'occasion pour nous échanger avec le Premier ministre Ariel. Même question de monocéphale, bicéphale, tout est, et comme tu as dit, évoqué. Et je ne vous dis pas, la réalité c'est que nous sommes convenus pour que tout le monde soit capable de mettre les mains ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui sont capables d'essayer le plus vite que possible, permettre le pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et un bref retour rapide à l'ordre démocratique. Office protection citoyen réalisé un atelier travail jeudi 5 d'août 2021. Journée activité sa fête, on a l'idée pour discuter et puis faire proposition sous façon à tenir un appareil justice haïtien doit comporter pour permettre au système de bien jouer rôle. Atelier ça a réuni plusieurs dizaines de personnalités qui sortent dans le système judiciaire, organisation locale et internationale. Protecteur citoyen René Hédouville a profité de l'occasion pour demander aux Nations Unies de participation pâle dans le cadre d'enquête qui a mené sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. En suivant un extrait dans le micro de Wodney d'Orléans avec Moïse Wilbitch. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas fait de job. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas rendu justice. Nous avons un système judiciaire qui méritait redorer blason. Parce que très souvent, le système judiciaire, ça, il est trop impliqué dans trop de scandales. Nous avons un système judiciaire côté le plus souvent des magistrats honnêtes, sérieux, compétents, persécutés, et des magistrats soupçonnés de corruption, malhonnêtes, protégés par le même système judiciaire. Ça. Nous avons un système judiciaire qui prend des dossiers, ils oublient dans le tiroir. Kounia là, en pile monde, peut-être ou même en tant que journaliste, on doit comprendre ça. Dossier Jean-Léopold Dominique rivé dans le coup de cassation depuis un paquet de temps. Ça a plus de 21 ans. Zéro condamnation. Il y a des dossiers d'assassinat qui tout mourit en dans coup d'appel. Il y a des cas d'assassinat même qui mourit dans le tribunal de première instance. Parce que plus fort cas d'assassinat qui enregistré dans le pays, c'est dans l'ère métropolitaine que le fait. Et de vous dire l'ère métropolitaine, ou dit Delma, ou dit Port-au-Prince, ou dit Pétionville, ou dit Grand-Ravine, ou dit La Saline, ou dit Bel Air, côté jeune corps Jacques Roche, eh bien, premier côté pour indexer, c'est tribunal de première instance. Donc nous-mêmes au niveau de l'OPC, c'est continuer à faire plaidoyer, mais continuer également à travailler avec d'autres secteurs de la vie nationale, des associations de magistrats très solides, des magistrats honnêtes, des organismes de la société civile qui croient dans la justice, des avocats, des cabinets d'avocats, des organisations internationales qui sont partenaires au PC, notamment ONUFAM, Avocats sans frontières et d'autres partenaires que nous gagnons à l'étranger, et aussi sans oublier la communauté internationale qui n'est pas capable d'être indifférent. Et c'est peut-être ça que vous êtes là dans ça là. Nous avons un représentant au commissariat aux droits de l'homme là. Nous avons un représentant BINU qui là. Nous avons un représentant d'autres agences internationales. Parce que question justice en Haïti, nous pensons que, étant donné que les Nations Unies présent, nous sommes capables de dire directement dans le pays, même si que nous pas sous tutelle, nous n'avons pas de force armée onusienne, mais personne n'est pas capable de négliger la présence des Nations Unies dans le pays. Et c'est peut-être ça que nous demandons dans des dossiers de cas d'assassinat,
tant qu'au cas d'assassinat président Jovenel Moïse, nous demandons pour que l'Organisation des Nations Unies dise un mot sur la question ça. Même si ça a été fait dans pile d'autres pays, ça a fait dans pays, en pile d'autres pays à l'étranger, nous souhaitons que les Nations Unies disent un mot sur la question ça, porter tout support, tout encadrement que le capable bail à l'autorité judiciaire, l'autorité politique, yo, et bien pour que le dossier ça pas arrêté dans les tiroirs, à l'instar de dossier Jean-Léopold Dominique, à l'instar de dossier de Mireille Duhaut-Chebertin, à l'instar de dossier Briol Lindor, à l'instar de dossier sénateur Yvon Toussaint, à l'instar de dossier Guito Toussaint, président du conseil d'administration de la BNC, et à l'instar d'autres cas d'assassinat qui ont enregistré dans le pays pendant les 20, les 25, les 30 dernières années. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, pour qu'on découvre aucune cas maladie peste porcine en Haïti. C'est sa ministre Charles Aubry dit déclaré jeudi 5 août 2021. Ministre a fait qu'on est, autorité ont déjà promis pour faire face carré avec maladie ça qui déjà dans la République dominicaine. En suivant. Moi, je voulais faire la population connaît que la peste porcine africaine, ce n'est pas une maladie qui a attrapé, mais qui a causé un pile de dégâts pour élever, parce que nous connaissons sa cochon représenté en termes d'économie pour eux. Dans ce sens, nous voulons rassurer la population que le gouvernement en général et le ministère de l'Agriculture en particulier ont commencé à prendre bonnes décisions pour faire face carré à gros menaces. Le ministère a mobilisé tout système technique qui a compétence dans le domaine pour rapidement augmenter le contrôle sous frontières. Cherchez vérifier si maladie a pour co-attaquer cochon qui boit ici, en pays boit ici, en pays d'Haïti. M'a demandé population pour ne pas paniquer. Restez vigilant à tout message qui vient pour venir après. Dans le cadre de communication et de mobilisation qui commence à être faite dans le ministère de l'Agriculture, nous avons déjà fait plusieurs séances de travail sous intervention qui nous est faite. C'est comme ça. Moi, j'ai gagné avec moi un staff technique. C'est des spécialistes qui travaillent, ou bien qui travaillent dans les affaires PPA. PPA, c'est peste porcine africaine. C'est maladie ça, qui sont fièvres, qui attaquent les cochons. Du côté de la République dominicaine. Donc, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous pouvons détecter maladie bon ici. Maladie peste porcine africaine capable de causer un cochon, gain la fièvre, diarrhée, vomissement et taches rouges sous poil. C'est ça, coordonnatrice unité protection animale dans le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural fait qu'on a. Joseph M. Corville, mandé élevé cochon yo, suivre tout conseil ministère à Bayo, pour donner encourager yo, rester vigilant face à l'épidémie. En suivre. Li casuel moribond, le ça, et ou capable, dit c'est yon nan bagay qui ka fort suspect maladie. Ça, c'est yon parti signe clinique et qui capable montrer ou li. Deuxième bagay, si ou levé non élevage cochon, ou bien voisinage ou di, ou même sous bagay cochon, mais loin, sous 10 cochons gagnent, il y a 5, 6, 3, 4, 5, 6 tombés mourir. De hier à après-demain, c'est-à-dire dans l'espace de 2 à 6 à 10 jours, il y a plus que 6 cochons qui mourent dans le cochon. Même s'il n'y a pas de signe, nous sommes dit là. Ça, c'est une dans l'autre information qui a fait ou suspecte le cas de maladie PPA. Une troisième façon encore, si ou c'est bouché, ou bien, ou c'est professeur à l'école ou observé avec bête dans le cadre d'investigation. Et puis,
ou bien sous ces cuisinières, la caillou a fait manger, ou tu as un cochon, ou acheter un foie, cochon, ou bon là, la là-dedans, les bouelles, bon, yon couleur, qui rougeur l'a augmenté, li rouge, rouge, li attiré sur noir presque, et puis li ba ou ça nan foie, li ba ou nan la rat, et puis nan ganglion, nous relé au gland, qui nan cou, cochon, etc. Et gen l'autre organe encore qui cap bien couleur rouge. Et couleur rouge, c'est hémorragie que maladie en produit. Hein. Alors, ouvrir bête là, leur faire, si nous ne voulons pas les thèmes, piqui pifor, leur font dissection, leur faire une étude d'organes, ou bien leur tuer bête pour manger, ou bien leur non marcher bête, sous ta ouest, bagaille ça yo, lésion, yo, les lésions, sous ta ouest présence, ça me se dit là yo, en organe yo, en de cochon, il y a fort suspect ça tout. Côté bourade gouvernement, bah ici là qui prend balle dans zone Matissan, pendant que tu as rentré la caillou jeudi 5 août 2021, c'est objectif visite ministre conditions femmes et droits femmes là, Sophia Loreus, dans l'hôpital général vendredi 6 août là. Docteur Loreus t'a profité visiter maternité l'hôpital général là, pendant le fait qu'on est, il prend le travail avec l'autorité concernée pour continuer à accompagner les femmes qui en difficulté. Yo. Plus de détails dans le micro, Midra Emilien, avec Michel Joseph. L'objectif de petite matin, c'était pendant le matin, je me suis attendu sur la Caraïbe, sur une dame qui était à côté de l'hôpital. Il vient de l'hôpital là, il n'y a pas de cas de service. Moi-même, étant que ministre à la condition féminine, je me suis jugé nécessaire pour me constater de quoi il en est. Et heureusement, l'homme qui est sur place, moi, madame, là, je parle ensemble avec lui, je suis accompagné de docteur Polimo, qui est directrice exécutive de l'hôpital là. Je suis parlé et je suis profité visiter la salle maternité, regarder pour ensemble de problèmes, pour constater pour prendre un ensemble de problèmes que les femmes même dans l'hôpital général. Et tant que ministre à la condition féminine, nous prenons le ministère de la condition féminine qui a gagné. Mission pour lui intervenir directement. Donc, nous allons parler ensemble avec les partenaires, après nous prenons acte de tout ça qui arrive. Nous allons parler ensemble avec les partenaires pour moi, qui me suis que nous allons accompagner le ministère là, pour aider les femmes dans les conditions difficiles qui ont traversé dans l'hôpital général. Donc, le ministère n'a pas quitté dans le constat pour lui. Donc, il y a un peu de bagages, il y a un peu d'examen. Les médicaments pour l'acheter, donc nous avons quitté le monde pour accompagner les gens en tant que démarche. Et le peu qu'il soit, nous sommes capables d'aider les faire et ça gagne pour faire en urgence. Directrice exécutive à l'hôpital général, la docteur Jessie Colimo-Adrien dit, il prend en charge les victimes dans l'hôpital. La. Docteur Adrien souligne les difficultés au terrain pour faire examen pour patients. Docteur Jessie Colimon dit qu'il a continué à faire travail comme ça droit. On suit un extrait dans le micro, Midra Emilias. Le fait que pour contre lui, ça a déboussolé lui, vous comprenez? On a blessé pour contre lui, les soins ne peuvent pas le faire. Donc c'est pour. Mais suivi à pas suivi. Tenez, ça a été dit sur la radio, hein? Ma terre, que malade n'a pas trouvé du tout. Mais heureusement, nous avons un dossier. Les écrivains, malade n'a pas trouvé. Les patients. Bon, il y a beaucoup, parce qu'on est l'hôpital général, c'est plus grand centre. Si le coffre est bloqué, c'est l'hôpital général. Si chance qu'elle est bloquée, c'est l'hôpital général. Donc nous dépassons, et puis semaine. Ça nous a un problème de courant électrique au bras. C'est génératrice, c'est une bagarre de carburant. C'est notre problème encore. Mais le problème nous dépassé par les événements. Il n'y a pas assez, mais le problème pour nous diminuer. Après que le défi nous prend balle là, mais il bien, prendre tout compte tout que malade là, t'es ouais. Ok, docteur, t'es ouais, mais t'es balle faire la biographie. Mais le fait que c'est un monde qui est pour compter, il va gagner un accompagnement, donc il y a des examens, il va être faire pour ça. Donc, avec l'hôpital là, nous sommes censés, comme c'est pour faire la radiographie, mais c'est un malade qui est intéressé par deux services. Il y a un bon mâchoire qui frappe, puis il y a un poli, donc il y a pour le prendre en charge et en orthopédie et en ORL. Donc, prise en charge en orthopédie a été déjà faite pour nous en ORL, l'aller pour fracture mâchoire. Pour qu'on y ait, on a invité à suivre quelques images sur la situation Matissan.
Image ça a enregistré vendredi 6 d'août 2021. Thank you.
Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Je suis le plus grand.